Bonjour et bienvenue à Vu d'ici. Cette semaine, pour les reportages, Mégane a participé à deux événements différents. D'abord à Lac-Beauport, à la soirée Gentleman version originale. Ensuite, elle était au Jour de la radio 2017, un événement organisé au Manoir du Lac-Delage. Pour ma part, j'ai rencontré Sandra Lapointe ainsi que plusieurs mamans et enfants pour les tout-petits matins, une activité organisée à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. Je vous souhaite une bonne émission. Ce soir, le Sibéria Café reçoit Dominique Rainville qui présente son projet version originale sous forme de vernissage où sera présentée une série de photos mettant en vedette des hommes de tous âges et de tout type corporel qui s'entraînent pour le plaisir ou pour la santé. Ce soir, c'est le vernissage officiel de votre projet version originale. Qu'est-ce que ça fait comme sentiment d'enfin concrétiser? Bien, je dois dire que je suis assez fébrile aujourd'hui. Oui, quand même. Là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. C'est l'excitation. Puis juste de partager ce moment-là avec les gens, j'ai vraiment hâte. C'est le fun. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet? En fait, c'est parti vraiment d'un moment de « OK, je suis vraiment tannée d'entendre les gens dire « Ah, je vais m'entraîner, je suis obligée d'aller m'entraîner », que ça part beaucoup de culpabilité et d'un sentiment quasiment je me tape sur la tête. C'est que ça me tentait de promouvoir la pratique de l'activité physique, mais saine, sans culpabilité, avec un cheminement d'acceptation de soi, puis de propager le message que oui, c'est possible de faire de l'activité physique, d'être en santé, mais sans tout le risque qui vient avec de la pression des normes sociales, là. Vous avez fait un premier vernissage avec les femmes, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de répéter l'expérience avec les hommes? Avec les femmes, ça avait été une super belle expérience. Puis je me disais, ben évidemment, moi j'ai travaillé dans un gym pour femmes, fait que les enjeux féminins, je les connaissais plus. Puis là, je me disais, ça va être intéressant de voir un peu c'est quoi la version homme, finalement, de version originale. Puis j'ai été quand même super surprise de voir que les enjeux se ressemblent beaucoup. Finalement, on a toute la même pression, toute la même sens d'obligation, de vision de ce que devrait être l'activité physique et la santé. Et ce soir, vous avez décidé de recevoir vos invités avant la soirée sous forme de cours de yoga. Pour quelles raisons? En fait, moi, je suis prof de yoga à la base et puis ça part de tout l'apprentissage que j'ai fait, moi, au travers de ma pratique de yoga. C'est-à-dire tout le cheminement psychologique que j'ai lorsque j'essaie de faire une posture puis que ça marche pas. Puis de me dire « Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça marche pas, nanana », ou de faire « Ah, mais regarde, ça marche pas cette posture-là, mais je suis capable de faire autre chose. » Puis il y a tout ce processus-là, finalement, d'acceptation de soi en yoga qu'on peut amener à l'extérieur de notre tapis. Donc, l'objectif, c'était de leur faire vivre une expérience pour qu'ils puissent transposer ça, finalement, dans le reste de leur vie de tous les jours. Non seulement ce soir, vous lancez votre fabuleux événement, mais aussi vous ramassez des dons pour la Fondation du CHU pour le cancer de la prostate. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous impliquer pour cette fondation? Tant qu'à faire un projet, aussi bien d'avoir une mission sociale aussi. C'est sûr que le message a une mission sociale, mais tant qu'à faire, faire un vernissage, on s'est dit, bien, OK, on pourrait donner à une fondation quelconque. L'objectif, c'est encore une fois de se dire, bien, OK, la santé, c'est quoi? Puis l'homme dans son ensemble et comment est-ce qu'on peut l'encourager à être en santé dans son entité, dans sa globalité, non? Comme on l'a dit un peu plus tôt, vous avez fait le vernissage pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Avez-vous l'intention de le répéter? Oui, tellement! En fait, dans le premier vernissage, on avait une femme qui était en chaise roulante, qui a une super belle histoire. Puis elle est photographe aussi, puis elle m'a dit qu'elle aimerait refaire le projet. Donc, elle prend des photos, mais avec des gens à mobilité réduite. C'est qu'il y a ce projet-là. Puis il y a aussi tout le projet de maternité qui est super approprié en ce moment, je dois dire. Mais de promouvoir le corps d'une maman. Qui a encore aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, donc le avant, après avoir été enceinte et autres. Bien, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. Ça semble super intéressant. Puis bonne chance pour ce soir pour votre vernissage. Merci! Au niveau du processus créatif, comment est-ce que vous avez fonctionné? Moi, je suis une photographe spécialisée dans le sport. Donc, je suis habituée, je suis super à l'aise de prendre des personnes, des hommes, des femmes, en action de façon spontanée quand ils font vraiment le mouvement. Fait que j'ai dit à Dominique, je procéderais de la même manière que quand je fais mes photographies d'athlètes. Donc, c'est-à-dire que les gars, je vais leur faire faire le sport qu'ils aiment. Ils viennent avec leur équipement, ils vont courir, sont habillés pour faire de la course, pour faire de la voile ou du vélo. Puis je leur fais faire leurs mouvements comme s'ils s'entraînaient ou comme s'ils faisaient leur sport pour vrai. Puis je prends des photos spontanées dans le moment. Fait que c'est jamais stagé, c'est vraiment... Les photos qui sont là, c'est vraiment les gars quand ils font leur sport. Lorsque Dominique vous a parlé du projet, qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter à pieds joints là-dedans? Premièrement, pour l'idée, parce que le sport, étant une photographe de sport, c'est évident que c'est dans mes valeurs profondes. C'est important pour moi de pratiquer le sport puis d'encourager les gens à pratiquer le sport. Puis la vision de Dominique, d'une manière saine, sans culpabilité, ça venait vraiment me chercher. C'est une fille qui est à son affaire, assez où elle s'en va. Elle a une belle vision, une belle énergie positive. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça qu'on va faire un beau travail ensemble. Fait que j'étais vraiment contente. Lorsque Dominique vous a présenté son projet, vous a parlé de son projet, qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, bien, c'est sûr que j'étais vraiment contente. Je suis super fière de pouvoir partager un peu ma passion puis ma vision avec ma sœur. D'ailleurs, on a des projets communs aussi de ce côté-là. Je la vois passionnée, je la vois complètement enthousiasmée par ce projet. Puis vraiment, j'y souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec tout ça. Vous avez eu la chance d'aller voir les clichés. Qu'est-ce que vous pensez du résultat final, de version originale, du projet de votre sœur qui se concrétise enfin? Bien, c'est sûr que je trouve que c'est une super belle continuité de la première version qui a été la version féminine. Je suis tellement fière d'elle. Elle a mis tellement d'efforts, tellement d'amour dans ce projet-là. Donc, je souhaite que ce soit un projet qui puisse voyager puis simplement se multiplier sous d'autres facettes. C'est la 7e année que vous vous impliquez auprès de la Fondation du CHU pour le cancer de la prostate. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous impliquez année après année? À la base, Sur Mesure, c'est une entreprise pour les hommes. Oui, on fait des vêtements pour les hommes, mais on va un petit peu plus loin que ça. Vu que le cancer de la prostate, c'est un cancer très important qui touche un homme sur 6, alors on voulait faire de quoi, on avait les moyens de faire de quoi. Et on s'est impliqué dès le début avec la Fondation du CHU. Et on a décidé que ça serait une campagne pour le cancer de la prostate. On fait chaque année une cravate. Là, cette année, on a une cravate, un mouchoir de poche et un nœud papillon. La cravate se vend pour 40 $, le nœud papillon pour 50 $ en quantité limitée et le mouchoir de poche à 30 $. Et la moitié des fonds vont directement à la Fondation du CHU. Je vous remercie puis je vous souhaite une super soirée. Merci. Qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous impliquer? Oui, bien, de toute façon, on connaît bien Dominique, elle fait partie de notre équipe. Ça fait partie de nos valeurs de supporter des fondations. Puis je pense que la fondation pour une cause comme la prostate, qui touche énormément de monde, ça nous fait plaisir d'accueillir ces gens-là ce soir. On est privilégiés, on vend du bonheur au Sibéria et on espère pouvoir apporter du bonheur aux gens qui sont là ce soir et d'amener de l'espoir à ceux-là qui ont la maladie comme telle. Avez-vous l'intention, si l'occasion se représente, de retravailler avec elle pour de futurs vernissages? Oui, bien c'est sûr. Vous le voyez, ce soir, il y a des très, très belles choses. On a fait le vernissage au niveau des femmes. On fait du côté des hommes ce soir. On la supporte dans ses projets et on supporte de nombreuses causes au niveau du Sibéria et ça nous fait plaisir. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Le vernissage du projet Version originale a été présenté sous forme de soirée Gentlemen et a été un succès sur toute la ligne. En plus des 10 témoignages présentés par les hommes qui ont participé au projet, plusieurs dons ont été amassés pour la Fondation du CHU du cancer de la prostate. Le Manoir du Lac-Delage a ouvert ses portes aux Journées de la radio pour leur 41e édition. Au programme dîner-rencontres, conférences, ateliers et encore plus. Les Journées de la radio, c'est une nouvelle image qu'on se donne cette semaine. En fait, c'est la 41e édition de la rencontre annuelle des radios communautaires du Québec. On l'a appelé cette année les Journées de la radio parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. On parle de radio. On veut positionner cet événement-là comme étant l'événement en français où on parle de radio pendant 3 jours et seulement de radio. qu'est-ce que vous offrez comme activité aux panélistes, aux gens qui se joignent à vous? Alors, les activités sur les 3 jours, ça commence tout le temps par l'Assemblée générale de notre association. C'est l'heure de faire les bilans puis de réfléchir ensemble à où est-ce qu'on s'en va en tant que groupe. Ensuite, le vendredi et samedi, c'est des ateliers de formation sur des sujets variés. On parle de médias sociaux, par rapport à la radio, on parle de produits, de programmation, etc. On avait aussi hier soir, le vendredi soir, c'est notre soirée showcase dans le cadre duquel la disque se joint à nous pour remettre les prix Rencontres Radio, qui est aussi l'occasion, c'est une occasion festive, mais aussi l'occasion de donner de la visibilité à des artistes établis et moins bien établis là, dans le cadre d'une soirée en musique au centre-ville de Québec. Vous avez parlé de conférenciers. Qui sont ces conférenciers? Alors, on a toute une gamme de conférenciers qui vont... on a 2 conférenciers qui viennent de France, dont Stéphane Bosque, Joël Renes, qui viennent partager les réflexions qui se passent en Europe là, sur toute la question de la radio, des médias sociaux, comment on intègre tous ces médias-là. Des gens de la radio privée qui viennent. On avait Brigitte Simard. On a un panel avec Yann Gallagher, avec beaucoup de gens comme ça qui sont tous là, qui viennent de tout azimut, en fait, là, pour vraiment mettre ça ensemble puis réfléchir collectivement. Cette année, combien de radiodiffuseurs communautaires se sont joints à vous? Alors, au total, cette année, on a une 50aine de participants qui proviennent d'un peu plus que 20 stations. Qu'est-ce qui vous motive à ramener cette fin de semaine à chaque année? Bon, comme je le disais, c'est la 41e rencontre annuelle des radios communautaires. C'est d'abord et avant tout la rencontre de toutes ces radios communautaires-là au Québec qui, une fois par année, sortent de leur quotidien et viennent ensemble pour réfléchir, pour partager leurs idées, leur vision d'où est-ce qu'on s'en va, pour voir collectivement où est-ce qu'on peut aller. Donc, c'est un moment fort de l'année pour nous. Juste ça, ça justifie l'événement. Mais bien sûr, jour de la radio, on fait grandir l'événement un peu plus. On veut ouvrir la réflexion à l'ensemble de l'industrie. Avec les médias sociaux, la technologie qui change, où est-ce que vous voyez le positionnement de la radio communautaire présentement? Bien, je vous dirais que les enjeux que vit la radio communautaire par rapport à toutes ces plateformes, soit de communication comme les médias sociaux ou plateformes numériques, on vit les mêmes enjeux que le reste de l'industrie de la radio. L'enjeu, c'est vraiment de dire comment on continue à faire notre travail de radiodiffuseur en utilisant ces médias sociaux-là de façon complémentaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette année, vous avez décidé de vous joindre au Manoir du Lac-Delage pour l'événement? Bien, ça fait plusieurs années. En fait, c'est la 5e année qu'on est au Manoir du Lac-Delage. On fait tout le temps ces rencontres-là dans la région de Québec parce que c'est plus central. On a beaucoup de membres qui viennent Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, etc. Donc, réunir tout le monde à Québec, c'est vraiment simplement une question de logistique. Et bon, le lieu du Manoir du Lac-Delage invite à la réflexion, disons. Y a-t-il une plateforme web ou encore un site Internet où est-ce que les gens peuvent retrouver tous les radiodiffuseurs qui sont présents aujourd'hui? Bien sûr, simplement aller sur notre site Internet arcq.qc.ca. Je vous remercie puis je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. L'ARC, c'est l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, donc une association avec des membres qui sont les radios communautaires. Et on est là pour apporter un soutien aux membres, mais aussi pour avoir un pouvoir quand on fait des représentations auprès des instances gouvernementales, entre autres. Donc ça, c'est la mission, disons, de l'ARC. Et des journées comme celle-ci aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à lancer des événements comme ça? C'est primordial parce que nos membres sont vraiment aux 4 coins de la province, donc c'est difficile de se parler. On se voit pas, tout le monde est vraiment là dans son quotidien. On a le nez collé sur nos stations de radio. Donc, d'avoir le temps comme ça, de pouvoir partager ensemble, de voir qu'on a peut-être les mêmes difficultés, mais les mêmes réussites aussi. Donc, c'est vraiment important. C'est l'occasion aussi de faire notre Assemblée générale annuelle. On est une association, donc un OSBL, on a besoin de ça par la structure, mais ça nous permet surtout de faire des formations, des rencontres, des conférences aussi. Question de peut-être mettre à niveau nos connaissances, mais aussi de se sortir de ce quotidien-là, prendre le temps de regarder ce qui se fait autour, puis après ça, retourner vraiment avec un souffle et un élan de motivation. Vous parlez de conférences, d'activités. Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant dans ce que vous offrez? C'est dur à dire parce que tout est vraiment très important, mais aussi très précis. Comme ce matin, on a fait un exercice de planification stratégique. Donc là, on est vraiment plus dans le travail avec l'association, mais d'entendre parler les membres, c'est vraiment extrêmement motivant. Là, on a une conférence aussi sur les médias sociaux. Donc, on sait que ça fait partie de notre vie maintenant et on n'a pas le choix d'être présent. Mais par quel bout on le prend? Comment on peut le faire? Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant, mais on a aussi plein de défis liés, entre autres, à la programmation musicale. On en parlait un peu plus tard. Donc, d'autres défis. Donc, dire qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment difficile. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est la première année que vous participez aux Journées de la radio? Oui, dans mon cas, c'est la première fois. On est une petite équipe à la radio, puis la façon que ça se passe, tout le monde ne peut pas y aller. Donc, il y a une rotation dans les employés. Moi, ça fait 4 ans que je suis à temps plein à ma radio. Et voilà, c'est mon tour cette année. J'en profite fort parce que je sais que ça ne reviendra pas avant encore quelques années la prochaine fois. Mais très belle expérience, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui vous motive à revenir à chaque année? Bien, la qualité des intervenants qui sont présentés en conférence et aussi la possibilité de trouver, à travers les collègues, des idées, brasser, partager des choses qu'on vit, mettre ça en commun. Enfin, c'est l'essentiel. Moi, je pense que c'est, entre autres, les différents ateliers, les panélistes qu'on a rencontrés encore hier. Il y a toujours du nouveau, il y a du contenu ici qu'on vient chercher puis qui nous aide pour le reste de l'année. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt pour nous d'être ici. C'est de rencontrer ces gens-là, puis avoir des nouveaux outils aussi, puis être à la page, là, comme on dit, puis en concordance avec, avec toutes les autres 35 stations. Rencontrer des nouveaux gens, des nouvelles têtes aussi, ça, c'est le fun. Des nouvelles idées, c'est vraiment ça, c'est le concept du partage. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir, pareillement. Vous êtes une nouvelle dans la radio communautaire, mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer? Je pense que la radio est un média qui va chercher tout le monde. C'est pour ça que je voulais m'impliquer socialement. Je trouvais que c'était la meilleure façon. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous voulez partager avec vos confrères lors de ces journées? Bien, nous, personnellement, à Radio Gaspésie, on fait beaucoup de choses innovatrices. Donc, on aime ça partager les bons coups qu'on a faits, puis donner aux autres pratiquement le cahier de charge de ce qu'on a accompli. Fait que c'est beaucoup plus facile après ça pour les autres stations de les appliquer ou de pouvoir réaliser leurs propres projets. Les gens ici du milieu de la radio partout au Québec ont eu droit à un très bel événement aujourd'hui organisé au Manoir du Lac-Delage lors des Journées de la radio. Tous ont pu partager leurs compétences avec leurs confrères. Les Tout Petits Matins, c'est une activité animée par Sandra Lapointe à la Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Les enfants peuvent participer à différents bricolages, écouter un conte et les parents, pendant ce moment, discutent entre eux de différents sujets qui touchent leur enfant. Nous allons voir comment se déroule cette activité. Pourquoi vous avez décidé de créer cet événement-là pour les mamans de Stoneham? En fait, c'est que j'étais enceinte de mon petit dernier qui a maintenant 3 ans et demi, bientôt 4. Puis j'allais à des activités d'allaitement en ville ou des regroupements de mamans en ville. Puis je me disais, ça serait le fun d'avoir un petit quelque chose ici à Stoneham. Donc, j'ai approché la municipalité. J'ai eu la chance de parler avec Eliane. Puis elle m'a offert là, de faire une petite activité là, en collaboration avec la bibliothèque ici. Puis moi, comme j'ai des formations... Moi, je suis éducatrice en garderie. J'ai des formations en heures du compte. Donc, j'ai offert de faire des heures du compte en même temps. On a vraiment fait un jumelage entre les heures du compte, des rencontres de mamans. Les mamans viennent autant enceintes avec des petits bébés naissants ou avec des grands ou des mamans qui sont à la maison des fois qui ont envie de venir socialiser avec les autres mamans. Puis c'est comme ça s'est créé. Puis, au début, c'était aléatoire avec les dates. Puis tranquillement, on a mis ça à 1 fois par mois avec des thématiques, pas de thématiques. Mais il y a tout le temps une petite activité là, qui complète l'histoire pour les tout-petits. À chaque fois que l'événement a lieu, combien de mamans ça regroupe avec leurs enfants? Est-ce que vous voyez souvent les mêmes visages ou il y en a des nouveaux qui s'ajoutent? Effectivement, on voit souvent les mêmes visages, mais on voit de temps en temps, comme aujourd'hui, on avait une nouvelle maman qui n'était jamais venue. C'est une belle découverte, autant pour nous que pour eux autres. Ils découvrent des nouvelles activités à faire ici. Puis les enfants sont contents, ils trouvent des nouveaux amis. Il y en a des fois qui se retrouvent, sont contents, ils se collent, ils se font des gros câlins. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment aléatoire. Des fois, on a 2, 3 mamans, des fois, on en a 5, 6, 7. Si on pense à la garderie, c'est un endroit où les enfants s'y retrouvent presque tous les jours. Il y a des règles qui sont transmises, tout ça. Mais là, dans les tout-petits matins, est-ce que vous devez faire de la discipline ou le fait que le parent soit là, ça permet de mieux gérer la situation, si on veut? Non, effectivement, je fais pas vraiment de discipline, mais on s'entraide beaucoup. Hein? Tu sais, comme tantôt, on voyait, moi, je quittais, c'est d'autres mamans qui prennent la relève avec les miens ou avec ma gang de la garderie ou vice-versa. D'autres mamans quittent dans la salle de bain ou ainsi de suite, choisissent des livres. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas là pour faire de la discipline, mais tu sais, les enfants sont pas là. Ils sont là, puis ils ont tellement de fun que quand les enfants s'amusent, on n'a pas de discipline à faire. Là. Ils sont bien. Puis... Est-ce qu'il y a un coût pour l'activité ou on fait simplement se présenter? Faut-il s'inscrire? Non, c'est gratuit. Juste à se présenter, on n'a même pas besoin d'inscription. C'est sûr que moi, via les médias sociaux, moi, je fais toujours une annonce là, quelques semaines avant, puis j'annonce toujours la date suivante aussi. Puis souvent, c'est via les médias sociaux que les mamans me disent « Ah, ben moi, je vais être là, moi, je vais être là. » Puis ils s'invitent entre eux autres. « Hey, viens-tu, toi aussi? » Fait qu'on se retrouve une belle petite gang comme ça. Puis, ouais. Sur quelle page Facebook on peut voir tout ça? Ben, les mamans de Stoneham, mais ça, c'est juste pour les mamans de Stoneham. Puis sur le site de la ville de Stoneham aussi, on voit les messages passer dans le petit rapporteur. Puis c'est ça. Bien, merci beaucoup, Sandra. Puis longue vie au tout petit matin. Merci. Sarah-Ève, on pourrait dire que vous êtes une habituée des tout petits matins. Vous venez régulièrement participer aux activités. Comment ça se déroule? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, bien en fait, chaque matin, on arrive, là, on prend le pouls, là, on arrive, on jase entre mamans. Ensuite, il y a une histoire, une heure du conte réalisée par Sandra. Puis chaque fois, très animée, là, les enfants gardent l'attention. Puis après ça, relié à l'histoire, on fait un bricolage qui est toujours très aimé de nos tout-petits. Comment trouve-vous ça, votre fils? Est-ce qu'il aime ça, rencontrer des amis, de voir d'autres mondes, si on veut? Oui, oui, je trouve ça important parce que, justement, moi, je garde mes fils avec moi à la maison. Donc, c'est nos activités, là, tu sais, on socialise. Mon grand est toujours venu avec moi. Maintenant, il va à l'école, puis mon plus jeune vient, il m'accompagne, puis on fait des activités. Ça socialise les amis, puis... ça crée des contacts avec des nouveaux copains qu'on connaît moins parce que c'est toutes des mamans qu'on se connaît pas nécessairement, là, puis on se rencontre ici pour ça. L'activité est organisée une fois par mois. Quel genre de sujet vous avez entre mamans? Est-ce que ça concerne vos tout-petits ou des fois vous allez un peu à l'extérieur? Vraiment de tout. De tout, c'est vraiment au fil du matin, là, selon ce qu'on vit en ce moment ou là où on est rendu dans notre vie ou si on vit des choses. On crée des liens rapidement puisqu'on a plein de choses en commun en étant tous mamans. C'est sûr que c'est souvent relié à nos enfants ou à l'étape où ils sont rendus. Puis souvent, les conversations débutent par nos enfants puis après ça, on dérive là, au fil de la matinée si besoin est. Comment vous pourriez décrire Sandra avec vos tout-petits? Est-ce qu'elle l'a facilement? Est-ce qu'elle est capable de les amuser puis de les entraîner dans un monde un peu imaginaire de manière facile? Oui, oui, elle est très créative, elle est chaleureuse avec nos enfants, puis on voit qu'elle a le contact avec les enfants très rapide, très facile, puis très respectueux aussi. Donc c'est ça, c'est ce qui vient faciliter la chose. Elle n'est pas envahissante, elle prend le temps de voir le pouls de chacun. En fait, s'ils sont plus réservés, elle laisse ça comme ça, puis s'ils embarquent, elle continue, puis elle va aller plus loin avec chaque enfant, là, dépendamment de leur personnalité, finalement. En terminant, comment vous aviez entendu parler de cette activité-là? Est-ce que c'était sur Internet ou encore dans les journaux? Oui, bien, beaucoup par les réseaux sociaux, là, étant donné qu'on a une page spécifique aux mamans de Stoneham. Puis ça le fait en sorte que j'ai découvert ça comme ça, là, de venir. Puis entre amis, on s'en parle, puis on se donne des petits cues pour des sorties entre mamans, là. Qu'est-ce qui vous fait revenir à chaque fois? Pourquoi vous aimez ça, participer à ces activités? Ben, je suis maman à la maison avec mon petit garçon, ben, mes enfants. Puis ben, moi, ça me fait une belle activité avec lui, de voir les autres enfants, les autres mamans. Puis Sandra, ben, c'est tout le temps agréable. C'est dans la simplicité, puis on passe un beau matin, là. C'est tout le temps le fun, oui. Quand votre fils ou encore vos enfants savent que vous allez venir ici, est-ce que vous ressentez une petite excitation? Est-ce qu'ils sont heureux de venir participer au conte, au bricolage et tout ça? Oui, oui, ils sont contents. Même ben là, moi, j'ai juste mon petit 2 ans, là, mais à chaque fois, il est content. Il se rappelle des jouets qui sortent. Il me parle du tracteur, puis le bricolage, puis Sandra, il sait c'est qui. Puis il est tout le temps content, tout le temps d'accord de venir à chaque matin. Oui, quand je lui dis, oui. Quel genre de discussion vous avez entre mamans? Ça concerne beaucoup vos tout-petits ou vous parlez de la réalité d'être une maman puis de qu'est-ce que ça implique? Bien, c'est un peu ce qui vient un peu, là, les discussions. Ça peut aller des idées de cadeaux de Noël aux préoccupations qu'on a avec nos plus vieux, nos plus jeunes. Des fois, certains qui ont des difficultés ou ça peut être des activités comme pendant l'été. À un moment donné, avant l'été, on a parlé des idées d'endroits à visiter en famille. C'est très, très varié, mais ça y va... Ça se décide un petit peu quand on arrive, là, ouais. Pour ce qui est du bricolage, le matériel est fourni. Est-ce que c'est toujours des bricolages thématiques? Aujourd'hui, c'est un petit bonhomme de neige. Oui, c'est toujours thématique, pas mal en lien avec l'histoire que les enfants ils ont lu juste avant, là, ils ont écouté, ouais. Madame Cyr, vous êtes bénévole à la Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Pourquoi pour vous c'est important de vous impliquer puis de participer aux activités qui sont ici? Eh bien, parce que la bibliothèque, c'est toujours un endroit très dynamique et surtout à Stoneham, il y a beaucoup maintenant de jeunes familles, de jeunes mamans, beaucoup d'enfants. Et puis moi, en étant une grand-maman, ça me permet aussi d'être avec tout ce beau petit monde une fois par semaine. Là. Je viens le mardi matin, moi, dans mon cas. Et, alors, on est, je pense, une 25 bénévoles à peu près. Et le meilleur endroit pour être au courant de toutes les activités, c'est où? C'est ça, il faudrait aller sur le site de la municipalité. Alors, au niveau culture, tout est là. Bien, merci beaucoup, Madame Cyr. Et puis, on espère vous voir être bénévole ici pendant longtemps. Merci beaucoup. Les tout-petits matins, c'est une activité parfaite pour toutes les mamans et leurs tout-petits. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette activité organisée mensuellement, rendez-vous sur le site de la municipalité de Stoneham et Tewkesbury. C'était les 3 reportages de Vu d'ici que nous avions à vous présenter cette semaine. Si vous avez envie de regarder l'émission à nouveau, rendez-vous sur le www.ccap.tv ou encore sur notre plateforme CCAP Go. N'oubliez pas que vous pouvez partager l'émission sur votre page Facebook. On se dit à très bientôt pour 3 nouveaux reportages de Vu d'ici.